Du jonglage combiné à des effets laser, de l'humour, du théâtre ou encore de la musique. C'est ce que vous retrouverez dans l'agenda du théâtre de Fontenay-le-Fleury. Pour en parler ce soir dans le mag sur Sensation, nous recevons Jean-Daniel Laval, directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury. Bonsoir Jean-Daniel. Bonsoir. Alors le mois de novembre, il débute avec de l'humour. C'est l'humoriste Michael Hirsch qui viendra vous faire rire avec son one-man show intitulé Pourquoi ? Pourquoi Hélène Ségara ? Ah non, parce qu'on est tous d'accord, au début c'était pas mal. Mais après, Hélène Ségara. Pourquoi dire amène à tout, alors que la société amène à rien ? Pourquoi je me pose toutes ces questions, papa ? Il y en a qui vivent des bas. Moi, jeux vidéo. Commencer un régime tout de suite, ou finir comme Régine plus tard. Cette œuvre possède un double sens. Attention. Et voici. Alors là, j'ai fait une année de maths sup, où j'ai trouvé les gens très spé. On s'est acheté un mini cactus pour se faire une ambiance jungle à l'appart. Oh non, mais là, mais c'est Far West, quoi. Oh non, mais c'est Grand Canyon dans notre salon, hein. Alors qu'on est sur un 11 mètres carrés, loi Carrez. Alors, on a entendu, il incarne un personnage qui s'interroge sur le monde, des questions parfois absurdes, mais toujours impertinentes. Il fait des rimes, des jeux de mots. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce spectacle ? Alors, sur Michael Hirsch, la vérité, c'est qu'il faut comprendre à peu près comment, au Théâtre de Fontenay, je programme. J'ai pas le temps d'aller voir tous les spectacles pour une raison simple, c'est que, par ailleurs, on a la compagnie avec laquelle je joue, je mets en scène. Je suis aussi professeur au conservatoire. Je vais parfois en Italie mettre en scène des opéras. Donc ça ne me donne pas toujours le temps. Ce qui n'est pas grave en soi. Parce qu'il y a des paramètres qui sont parfois beaucoup plus intéressants, qui sont ceux d'essayer de comprendre l'artiste, d'observer son parcours, ce qu'il a fait, d'où il est venu, d'où il est parti, où est-ce qu'il était, dans quel théâtre avant et tout ça. Et c'est vrai que Michael Hirsch, je trouve que c'est un artiste, alors il est évidemment sur Europe 1, ça tout le monde le sait, mais ouais. C'est un artiste qui est, je trouve, un peu différent des autres. C'est-à-dire que vous avez peut-être observé que dans les trois dernières, quatre ou cinq dernières années, on était envahi par les one-man showers de tous ordres, qui étaient sur les colonnes Maurice, partout. Alors on en découvrait un nouveau, on se disait, ah ouais, super, alors parce qu'il était comme un produit vaisselle qui sort et qui est nouveau, et puis qui parfois avait probablement du talent, des bons mots, mais enfin, ils se ressemblaient tous, en fait, si on regarde. C'est vrai que Michael Hirsch, il a sa singularité, effectivement. Alors, on l'assimile un peu à De Vos par le biais de ses jeux de mots, mais je trouve que c'est plus que ça. Je crois que c'est un artiste plutôt sensible, qui a un humour léger, qui est pas... Enfin, et moi, reconnu, ça m'a... en plus. Comment ? Reconnu, en plus, par... Reconnu, tout à fait, oui, oui, oui. Différents festivals de l'humour. Oui, alors si vous cumulez, effectivement, donc si vous cumulez tous ces paramètres, style, bon, il est reconnu par un festival honorable, il est passé dans des théâtres exigeants... Il a fait Avignon, voilà. Vous vous dites, bon, je tente le coup. Je vous dis ça parce qu'on va parler de Cosmix après. Exactement, voilà. Alors, on peut en parler tout de suite. Je vous fais un bon extrait d'Union. Donc, Cosmix, vous le disiez, c'est du jonglage. Alors, on n'a jamais vu du jonglage comme ils le font. C'est rythmé avec des effets lumineux qu'ils créent avec des effets de laser. Alors, ces deux jongleurs hors du commun qui vont vous époustoufler avec leur performance. On écoute tout de suite un extrait de ce qu'ils font, la musique qu'ils utilisent pendant leur spectacle pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, cachés dans le noir de l'espace infini, existaient des êtres dotés de pouvoirs incroyables. Ils étaient plus vieux que le temps lui-même et si puissants qu'ils pouvaient bâtir des planètes entières en quelques jours. On les appelait les architectes. Alors Jean-Daniel, on l'entend quand même, c'est une musique très particulière, mais ça porte bien le nom, hein. Cosmix, on a vraiment l'impression d'être dans cet univers intersidéral spatial.
Alors, le concept unique, rare, ça colle vraiment. Bah déjà, je vous admire de passer un spectacle visuel à la radio. Bravo, je vais vous tirer mon chapeau. Oui, parce que... Alors, Cosmix, par exemple, ça fait partie des spectacles, évidemment, que je n'ai pas vu, mais je connais le tourneur, je connais celui qui s'en occupe, l'agent. Et c'est un type que j'estime. Si vous regardez sa programmation, ce qu'il propose, c'est vraiment de qualité, c'est toujours de haute tenue. Et j'ai vu un extrait, puisque vous savez que les agents aujourd'hui nous envoient des extraits, ce qu'on appelle des teasers en anglais, je ne sais pas comment ça s'appelle, des bandes-annonces en français. Et j'ai trouvé ça assez magique, assez incroyable. De là à vous dire que ça tiendrait forcément 1h15, je ne sais pas, mais c'est ça aussi le talent du théâtre de Fontenay, je trouve, c'est susciter la curiosité, l'envie, le désir, voire la critique, je trouve ça assez passionnant. Et d'ailleurs, on a un public qui commence à être averti, qui va dans le sens de cette démarche, et vraiment on apprécie, et du coup, ça nous permet et ça nous autorise à prendre des risques. Je prends un risque formidable, que je suis sûr qu'il sera joyeux, parce que c'est assez magique. Quand on voit les images, je vous encourage à les regarder sur YouTube, on a des extraits, bien sûr. Quand on voit les images, on est absolument bluffé. Alors, l'image ne fait pas tout, il faut qu'en réalité, sur la scène, ça soit très bien, mais je pense quand même que les mecs, ils doivent savoir faire, quoi. Ouais. Ils n'auraient pas pris le risque. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Et puis c'est magique. Un spectacle avec des lasers quand même. Oui, absolument. Laser, mais jongler avec des lasers, oui, surtout, c'est-à-dire créer toute cette dynamique. Et c'est vrai que, bon, on est assez content parce qu'à notre grande surprise, parce que parfois je choisis des spectacles dont je sais qu'ils ne feront pas forcément plein, mais je trouve que ça fait partie d'une programmation, d'un ensemble, d'un esprit, d'une narration, d'un récit sur l'année. Et celui-là, il s'avère que deux mois avant, je ne sais plus combien c'est. C'est le 30 novembre. 30 novembre, disons un mois, dans un mois et demi, il est déjà quasiment. Enfin, il se remplit très vite, on est absolument. Prenez vos places, dépêchez-vous. Oui, prenez vos places, bien sûr, évidemment. C'est pas mon esprit promotionnel, mais en tout cas, ayez de la curiosité. Il faut aller voir, parce que ça a l'air quand même... Oui, je crois. Quand même très très bien. Du théâtre, je crois. À présent, un classique, Le Bourgeois Gentilhomme, une des célèbres comédies de Molière, interprétée par la Compagnie de la Reine. Alors, c'est le 7 décembre prochain. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette compagnie? Bon, oui, alors je vais vous en parler. En fait, elle est née, pour certains qui le savent déjà, à Versailles, quand j'étais au Théâtre Montpensier. Et puis, elle m'a suivi, il n'y a aucune raison que je m'en sépare. Et Le Bourgeois Gentilhomme, ce que je trouve assez passionnant aujourd'hui, bien que j'en parlerai assez peu, puisque je joue dedans, je mets en scène, enfin ça commence à faire beaucoup, c'est que on était 21 au Théâtre Montpensier, donc avec le Faste, la pièce dans son ensemble, tout ce qu'il y a. Et on s'aperçoit que, je vais faire court, que la pièce a des défauts, évidemment. Et donc, le fait qu'on ne soit plus que 10, pour des raisons économiques, évidemment, Fontenay n'a pas la puissance économique que Versailles ou Saint-Quentin ou Saint-Germain ou Le Chesnay, mais c'est un spectacle qu'on est arrivé à réduire. Et alors ça a une faculté formidable, c'est que ça nous permet de nettoyer, d'enlever tout ce qui est un petit peu faiblard en fait dans la pièce, parce qu'il y a des choses faiblardes. Il ne faut pas croire que Molière, qui a du génie bien sûr, n'a pas des moments où la plume a un peu dérapé dans n'importe quoi. Et donc c'est vrai que des longues descriptions de repas, des ballets un petit peu foisonnants mais pas toujours de grande qualité, ont fait que ça nous a permis de faire un grand nettoyage. Et donc c'est une pièce dynamique, forte. Et justement, on va écouter un petit peu les dialogues. Eh oui, on va écouter un petit peu. Vous l'avez piqué où celui-là ? Eh oui, on l'a, les dialogues du Bourgeois Gentilhomme, le 7 décembre. La vérité dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses, et n'applaudit qu'à contresens. La 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 la, vos deux bras sont estropiés. Voilà, le corps ferme. Allons, en garde, remettez-vous. Un peu en arrière, en garde, monsieur, en garde, en garde, en garde, en garde. Tada ! On l'a entendu, hein, vous le disiez, des dialogues qui donnent envie. Voilà. Oui, vous savez, j'adore cette pièce, non pas par sa qualité d'écriture ou par sa construction, mais parce que elle inspire beaucoup, notamment le goût des autres de Bakri Djaoui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. C'est exactement l'histoire du bourgeois, c'est-à-dire cet homme qui tombe amoureux d'une comédienne dans une troupe et qui veut vraiment découvrir ce monde, et donc qui paye, qui est comme le bourgeois, enfin, qui fait n'importe quoi. Et en parlant de découvrir, c'est le moment pour les initiés du théâtre de venir revoir une nouvelle représentation du Bourgeois Gentilhomme, pour les non-initiés de découvrir cette pièce, cette superbe pièce de Molière. Enfin, on va finir... D'ailleurs, je précise qu'on a rajouté une journée, parce que comme ça montait très vite les réservations, on joue que le vendredi à Fontenay, mais là on a rajouté un samedi soir, à la place du cinéma. Ne vous y trompez pas. On va pas se tromper, on ira voir sur votre site internet, bien sûr, théâtredefontenay.com. Ensuite, on finit l'année en musique, avec un concert. Alors c'est trois américaines qui vivent en France, elles s'appellent les Jingle Bells. Elles vont vous interpréter les meilleures chansons de Noël dans un décor kitsch des années 50 et avec de l'humour. Yeah, let's go on a sleigh ride.
Alors quand on entend comment elle chante Jean-Daniel, on a envie de chanter avec elle, on a envie de danser, on sent la magie de Noël. Ah oui, mais clairement, puis en plus de ça, c'est vraiment des vraies chanteuses, là pour le coup, elles sont vraiment... C'est en direct, à froid comme ça, elles partent. Alors Devon, on l'avait déjà reçu il y a 3 ans, je crois, dans un spectacle qui a été magnifique. Et puis alors moi, je vous avoue que j'ai une faiblesse pour ce genre de spectacle un peu enfantin, léger, comme ça, j'adore ça. Moi, je pose mes fesses sur le fauteuil, je me laisse embarquer. Alors c'est vrai, oui, Jingle Bells. Bon, alors après, c'est vraiment du Noël. Hein, là, ouais. C'est le Noël américain, vous bah, pouvez... c'est Noël. Ah oui, alors c'est kitsch à mort. Ça, vous pouvez y aller, c'est parfait. Elles tournent sur scène bizarrement, enfin, elles font des trucs, elles ont un grand sourire, elles chantent et ça vous emmène. Moi, j'adore. Eh ben, on ira voir. Merci beaucoup Jean-Daniel Laval d'être venu ce soir avec nous dans le MAG. Je rappelle, vous êtes directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury. On retrouve toute la programmation sur le site internet théâtredefontenay.com et réécoutez cette émission sur notre site internet et notre application Radio Sensation.